Cheikh Diagne ngay laacc fa la deug wa kay bon keur la Assalamu alaykoum. Salam. Salut mon ami. Ça va bien? Ça va nous revoir. Rico, vous pouvez filmer en même temps. Ça va nous revoir. Si nous revoir. Légué, nous sommes en Sénégal. Patricia Ngini, Cheikh Diagne. Légué, nous sommes deux personnes. On est un. Parce que nous sommes tous des acteurs. Ouais, c'est ça. Donc, nous sommes en train de faire Cheikh Diagne. Parce que nous sommes en train de faire Patricia Ngini. Nous sommes en train de faire Patricia Ngini. Du coup, voilà, légué, vous avez une preuve. D'ailleurs, vous avez une preuve. Allez, on entre. Ça va mon frère? Ça va bien? Ouais, ça va, je vais bien. Tranquille. Il y a des gens qui te posent toutes sortes de questions. Il y a au moins 6 questions qui sont là. Salut tout le monde. Voici, c'est nous comme on vous l'avait promis. C'est vrai qu'on a fait le direct avec l'annonce un peu tardivement, mais c'est pas grave. On va faire l'interview avec Cheikh Diagne. On l'a retrouvé. Cheikh Diagne numéro 1 et tout de suite l'interview avec Cheikh Diagne, le maître dans nos mains. Assalamu alaikum, bien spectateurs de Sky TV, la chaîne de diffusion de votre maison Twin Studio Production. Nous le disons, Dilek Dalal. Bon Dieu, que nous avons interview une saison, on allait prendre ben humeur, ben chanteur, ben artiste, ben musicien, ben comédien. Mais on a dit, ok, Sky TV, c'est du cinéma pur et dur, 100% cinéma. Tous ceux qui parlent du cinéma, tous ceux qui font leur cinéma ont leur place à Sky TV, la chaîne de diffusion de Twin Studio Production. Donc, on va se spécialiser, on va se particulariser, on va faire que du cinéma pour la saison 2. Nous allons aller à la rencontre de ceux qui font le cinéma. Le cas d'aller être producteur, réalisateur, fans, on va commencer notre premier numéro chez les hommes avec Maîtresse d'un homme marié, l'acteur principal, Maîtresse d'un homme marié, Cheikh Diagne, le mari de Lala, le mari ou l'ex-mari de Mariam Dial. Cheikh Diagne, de son vrai nom, Cheikh Gaye, c'est ça? Cheikh Babou Gaye. Donc, Cheikh Diagne, nous sommes en train de faire avec le spectateur de l'émission. Wa mangi nuyu ñep ku ci nek sa tour ak sa sante les téléspectateurs les internautes donc de cette chaîne. Waouh, bon Cheikh Diagne c'est un monsieur qui aime ce qu'il fait, qu'il a appris et a fait une carrière là-dedans parce que j'ai fait 17 ans quand même donc de carrière du cinéma parce que j'ai commencé je pense depuis 2003-2020 ça fait 17 ans. Donc s'il a dit que tourner en tant qu'acteur, c'est mon premier long métrage. Donc, je pense que c'est un film. Vas-y, L'appel des arènes d'une production, donc une réalisation de Cheikh Diagne, un acteur sénégalais qui vit en France. Donc, qui Tyson joué avec Moustapha Gueye. Moustapha Gueye. Bon, j'étais encore étudiant, j'étais encore à l'université. Donc le cinéma m'a toujours passionné depuis tout petit. Hein. Donc de 2003 à 2020, ça fait 17 ans de carrière. Mm-hmm. Et alhamdulillah, on voit aujourd'hui jusqu'à présent que l'acteur occupe des rôles importants. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident de faire une longue carrière pour ramener. Chaque fois, tu as des rôles principaux. Alors, comment tu juges 17 ans de carrière jusqu'à présent? 17 ans de carrière, c'est une très belle expérience hein, pour un acteur, surtout au Sénégal. Donc, jouer avec les anciens, jouer avec les nouveaux. Parce que chaque plateau de tournage a ses réalités. Les plateaux ne sont pas les mêmes, les scénarios ne sont pas les mêmes, les personnages ne sont pas les mêmes. Et il faut savoir incarner un personnage. Aujourd'hui, dans telle ou telle autre série, on te donne un rôle principal ou bien un rôle secondaire. Tu l'incarnes à merveille jusqu'à ce qu'on te colle à ce rôle. Oui. Ça, il faut être un acteur pour le faire. Pour le faire et accepter ça. C'est pas facile. Et accepter ça. Mmh. Et après, sortir aussi du personnage et garder sa personnalité. Exactement. Parce que c'est ça la différence. Donc, le personnage et la personne. T'as Cheikh Diagne, bon personnage, moi le gars ressemblait. Entre tout lit, Cheikh Diagne.
comme tu as joué dans Frontières. Ouais, tu as joué... c'était un policier. Ouais, comme policier, qu'est-ce qui te ressemble le plus? Il y a toujours quelque chose qui te lie à un personnage. D'accord, vu sur cet angle, moi je dis que peut-être maîtresse de l'homme marié. Parce que non, c'est la vie. Quand la scénariste Marie Aboué m'a dit, cher, écoute, je veux que tu joues le rôle de méchant. Mais je lui ai demandé, écoutez Marguerite, est-ce que tu me vois être quelqu'un, moi, qui bat une femme? Moi, je suis féministe. Je déteste la violence faite aux femmes. Donc, il me dit, cher, en général, les bonnes personnes, ils peuvent changer de caractère. Je dis, moi, ça va être compliqué, ça. Je sais que tu peux jouer ça. Et je l'ai incarné à merveille. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui ont regardé, ceux qui connaissent C'est la vie et qui m'ont regardé dans C'est la vie, aujourd'hui, et me regardent dans Maîtresse d'un homme marié, dis donc, écoute, c'est un truc de ouf. Parce que quand tu regardes C'est la vie, tu détestes Touli. Tout de suite, tu détestes Touli. Anecdote, moi, j'ai croisé une dame, elle est gardienne de prison. On s'est croisé à la foire de Dakar, je pense qu'il y a de cela 3 ans. Quand elle m'a vu, la première question qu'elle m'a posée, mais toi, qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Parce qu'en fait, dans la série, dans la saison 2, je pense j'étais en prison. Ouais. Elle me dit, toi, on devait casser dans mon chavidi, donc que tu restes là-bas. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, tu as été, non, franchement, toi, mais comment tu peux frapper ta femme, la séquestrer? Et puis, bien, j'ai dit, mais écoute, c'est un rôle, madame. Elle me dit, non, mais franchement, tu as tellement bien incarné le rôle que, écoute, on dit que toi, tu es un macho, quoi. Tu n'es pas bien. Mais tu vois, aujourd'hui, dans Maîtresse d'un homme marié, quand tu vois, tu dis, attends, cherche Jane, c'est autre chose, quoi. C'est le mari qu'on voudrait avoir ou idéal. Voilà, idéal, quoi. Sondal Gamarem Tchal aussi. Est-ce que Sondal Gamarem? Non, mais si, parce que tu l'as abandonné à un moment donné. Gabaï, juste pour Lala. Elle a souffert. Non, Marem, en fait, je ne pense pas que je l'ai laissé pour Lala. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Marem, je l'ai laissé parce que ma mère n'a pas voulu de cette union. Oui. Depuis le début, Depuis le début. Tu l'as laissé pour sa mère, pour ta mère ou pour la mère, pression, ta femme à l'aise? La pression familiale. Tu vois, la maman qui est là derrière, qui ne veut pas de cette mère, qui dit, je ne vais jamais accepter ta femme, mon frère. Voilà. C'était très compliqué et à un moment donné, bon, Lala aussi a fait tellement de choses que, bon, elle a dit tellement de choses sur Marem. À un moment donné, je ne savais plus où donner de la tête. Mais est-ce que est-ce que c'est une bonne raison d'abandonner sa femme juste parce que maman n'est pas d'accord? Alors que maman aussi, elle a fait des sacrifices d'un côté. Hein. Et au début, saison 1-8, elle ne voulait pas aborder. C'est toi qui as forcé, c'est toi qui as tout fait pour l'épouser. Ouais. Après, l'union, Bayou Atko, juste parce que maman ne veut plus. Moi, je crois que c'était pas assez fort de ta part. Hein. Tu t'es pas battu, mais bon, c'est un film. Hein, c'est en fait, je pense que ça, c'est ça, en fait, la magie du cinéma et la magie de l'écriture. Exact. Parce qu'aujourd'hui, les gens me demandent, mais cher, pourquoi ne baille Marem? Ouais. Mais si ça dépendait que de cher, cher Dubaï, cher Dubaï Marem. Parce qu'à vous le faire. Mais c'est la scénariste qui a voulu que cher baille Marem. Ouais. Pour que aussi l'histoire continue. Ouais, parce que l'olmo moi alimenté le débat, l'olmo est pimenté aussi. Donc le scénario. Surtout, donc on va féliciter la scénariste Calista. Ouais, elle est formidable. Elle est formidable. Et en plus, Ligalam Solo aussi, moi, lorsqu'on écrit, on ne peut pas écrire du confort, dans le conformisme. Tu suscites le débat, tu suscites même la colère, tu suscites l'indignation. L'olmo est terminé. Je vais te dire, ironie du sort. Moi, en fait, mon père ne regardait pas mes films, mes séries et tout. Ouais. Donc, et quand il a commencé à regarder, le jour où j'ai divorcé de Marem, il m'a dit, mais pourquoi tu divorces de Marem? Parce que c'est Yaï de me soulever. Ça m'a fait tellement marrer. Et les gens n'ont pas compris pourquoi je l'ai fait. Et il faut que je démène nous pour qu'au moins l'eau continue. Ça veut dire que nous avons besoin de mon nez. Mais nous avons besoin de l'eau. Parce que sinon après, d'homme sens. Dis-moi, n'est-ce que nous avons c'est la vie. C'est révélé. C'est la vie, c'est un projet. Il faut avoir quelle production nous allons produire, n'est-ce pas? Comment tu as été coopté pour la série C'est la vie? Ben, tout comme dans les autres séries, C'est la vie, il y avait un casting qu'on avait fait donc, au Centre culturel français. Donc il y avait Marguerite, la scénariste, donc c'est une Ivoirienne. Donc Marguerite Aboué, c'est elle qui a écrit, je pense, réalisé Aya de Yopougon. C'est une bande dessinée, qui est une histoire vraie. Donc elle était là à Dakar, donc elle a fait un casting au Centre culturel français. Donc il y avait beaucoup d'acteurs, il y avait beaucoup de monde.
Donc, et quand je me suis présenté sur scène, donc il m'avait donné, je me rappelle, tout juste à interpréter la séquence où donc, je devais croiser ma femme. En fait, je devais croiser mon ex-ami, Dr Moulay, donc et en présence de Magar. Et quand je l'ai interprété, elle m'a dit, tac, ça c'est l'acteur que je cherche. Bon, il y a toujours peut-être la scénariste ou bien la personne, le réalisateur. Donc, il y a un déclic de l'acteur qui fait que elle choisit telle ou telle personne. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur ou bien ce n'est pas parce que tu es bon ou pas. Non, c'est parce qu'elle cherche quelque chose. Tu peux être un bon acteur, hein, aller en casting, on ne te prend pas. Et c'est important. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Non, ça c'est le rôle de chien ou bien c'est le rôle de pâté. Non, tu peux être un bon acteur, aller dans un casting et que le réalisateur dit que sa tête ne me plaît pas. Ouais. Parce juste que ton ça. Profil ne correspond pas à, au rôle. T'es lourd, c'est important parce que... Ah, il faut que nous préciser. Nous devons préciser, nous savons, casting, de question de dans la demande un casting, je demande un casting. Comme les mots, casting, dans les demandes un casting, réalisateur qui se le non qui c'est sa tête qui ne me plaît pas. Bon puis quand même moi mon héros, voilà quand même, demain il un méchant, on va nous jouer méchant, mais dès là non qui vous travaille, jouer le méchant, mais quand même tout quand même méchant. C'est juste ça un casting. Juste ça, mon gars nous sortons le défunt de Gueule, ça quand même méchant mais dans la gâte. C'est juste ça. Donc, qui peut faire mes castings, comment moi dans casting, voilà quoi, comment le dara moi dans casting, il y a des nouveaux. Nouveau. Non, c'est une erreur. Donc, je crois que cette précision vous l'air là quoi. Vous l'air là, lui, bien tout gay après tirer le jeu que jouer c'est là. Waouh. Donc, bimonyé. Donc, on a fait le casting, on a fait comment dirais-je un teaser. On a joué un teaser. Donc on a présenté, je pense, aux partenaires, c'était Canal qui devait diffuser ça. Ouais. On a fait un teaser et ça a été mon épisode zéro d'habitude. Donc nous Defco et puis ça a fait un truc de ouf. Et après on a fait une première saison donc de 26 épisodes. Donc qui a fait franchement couler beaucoup d'encre. Donc c'est passé sur Canal, sur TV5 et ça a été une grande réussite pour cette production. Ils ont fait une deuxième saison et la troisième saison est en train d'être diffusée sur Canal. Même sur YouTube. Sur YouTube. Et vraiment, on a vu beaucoup de maturité là. Saison 3, moi, chaque jour de mai, c'est un bel. Ouais, bien épisode. Ça a évolué. C'est ouf. Ça a évolué. Et c'est beaucoup plus fluide qu'il y a une saison. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus maîtrisé. T'es là, alhamdoulilah, quoi. Bon, il y a une saison. Nous disons une saison 1 Bingadef, la saison 3 Bingadef. Une grande évolution. C'est important. D'habitude, saison bi buñ koy commencer, des fois par exemple on te donne un rôle, donc tu l'incarnes, peut-être que tu maîtrises pas donc trop donc la portée du rôle, donc la quintessence, la même rôle exactement. Donc mais après au fil du temps tu mûres, par exemple dans les campagnes de jump. Tu t'améliores en conséquence. Donc parce que mon gars c'était par exemple ni épisode B qui Ahmed sentiront mon côté épisode B ni parce que ça arrive hein. Ça arrive. Les non mon d'abord sentiront mon la carrière c'est épisode B quoi. Et ça arrive pour un acteur hein, parce que des fois il y a des jours sans. Un acteur pour un bon acteur mais il rate une saison. Ouais. Tu rates ta saison. Maîtresse d'un homme marié. Je ne ça arrive aussi originaire tout gay maro du bonheur le maîtresse d'un homme marié. Maîtresse de nos mariés, à l'origine, je ne devais même pas jouer dans cette série. Parce que quand on commençait à produire, je pense à réaliser la série, je n'étais même pas au Sénégal. Donc on m'a appelé en cours de route. Parce qu'ils avaient commencé avec un acteur. Donc, mais je pense que son profil ne correspondait pas au rôle de Cheikh Diagne. Et quand je suis arrivé, donc on m'a présenté à la production, donc en l'occurrence le DG, Masnour. Donc Calista était là-bas et c'était ta femme Adja qui faisait office de Lala. Avec qui jouait avec moi. Et bon, la séquence qui nous a interprété, c'est la séquence qui m'a donné le mot de mécanicien. Mais je suis avec Lala, sur la table, j'ai eu le téléphone. Non, mais il déconne, il saute. Et ça m'a fait que ma mère m'a fait. Donc c'est quand même interprété. Mais quand je l'ai fait, c'était tout juste un truc court. Hein, ouais. Parce que Lola, en fait, déclic, le Calista sort le rôle du rôle de Cheikh Diagne. Peut-être Lola là que j'ai dit, Cheikh, c'est toi donc, que je veux. Donc c'est toi le personnage de Cheikh Diagne. Ok. C'est-à-dire rôle bobo. J'étais au courant de ce que tu as dit, moi que mais ça ne collait pas. Après le gars, je l'ai vu. Mais le gars jouait dans la série. Ouais, il a joué. En fait, il a joué dans la série. C'était le mari de Jor.
le monsieur wa moy gaay bi nga xamanteni mom Siki Mikhaïs, c'était le mari de Dior. En fait dans la série il a joué moy ki feugon buntu bi ñew nanko Dior nañu ñibi te mënu ko yow mënu ma baye suñu dom. En fait c'était job koku lu joxon rôle Cheikh Diagne, mais sentiru ñu won ko dans le rôle quoi, tu vois. Donc attends, mais parce que ils avaient commencé à tourner hein, je pense que est-ce que tourner un mois après ñu dindiko parce que comme li ñuy wax xam nga li ngeen ban affaire lamay fatali fatali na ma le Seigneur des Anneaux. Ouais. Peter Jackson, ouais. Il a choisi un acteur britannique, si je ne me trompe. Mm-hmm. Nous tournons une semaine, nous gagnons un acteur. Nous avons Viggo Mortensen pour nous jouer le rôle de l'acteur principal. Okay. Il y a une idée. Nous sommes mon bois, l'acteur, il n'était même pas au courant de l'existence du livre Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas ce que je dirais. Donc, je suis convaincu. Je dis, papa, je vais jouer le rôle. Il y a un livre, il y a un solo, etc. Il recueil de films, il va prendre le rôle. Mom néna lolou moko dougal ci film té gis nga def nañu. Ouais, ils ont fait trois films de ouf. Donc parfois acteur dang koy jël motax casting day dem sax ba ci bir tournage mu changer. Il y a beaucoup de films yo xamné non la démé, on choisit un acteur dem ba ci bir xamné ki c'est pas lui. Oui, c'est pas lui. C'est pas lui. J'ai faussé le casting. Non, j'ai faussé le casting, je change pour changer. Donc lan nga jangé ci maîtresse d'un homme marié, lan la andil comme expérience. Bon, moi maîtresse d'un homme marié, lima indi comme expérience c'est quoi? Ça dit qu'aujourd'hui, man, c'est le scénario, l'écriture du scénario. Mais je trouve que Calista, franchement, encore une fois, moi, je la félicite et je l'encourage. Pourquoi? Parce qu'elle a abordé beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes. Il faut une société, gagner les finances qui est peut-être qu'au tableau. Détail, amul fenn foy lal, amul ben acteur boy lal ci maîtresse. Bu chemin. Bo xamene chemin. Ça dit que chemin wul ci ben bord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humi incarné, c'est une société d'accord incarné. Après, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Ce qui est important dans l'écriture, moi, Niki, vous le dites, personnage pour chômer, 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 des personnages figurants. Télé, amant, ça arrive que des gens écrivent un film et après tu te dis, celui-là, pourtant, beaucoup gagné qui film, ça ne donne rien. Absolument. Donc, dès que tu le dis dans un film ou bien dans un scénario, sache qu'il y a un yakal producteur de réalisation. Non. Tu es en train de payer quelqu'un pour à ne rien faire. Le meilleur est traîné, moi. Nous devons faire une séquence, bon, mais juste tu veux remplir le temps. D'ailleurs, nous talk, Cheikh Diagne, avec une bonne talk, du Wartan. Vous parlez, c'est une séquence, bon, ça fait 2 minutes, 3 minutes. Ben, link là, par rapport à. Ça dit que beaucoup c'est gagné. En fait, il y a que dans ce scénario. Il faut que les gens évitent ça. Et heureusement, dans Maîtresse d'un homme marié, amul fenn fo am ngay tok du chemin. Il y a beaucoup de surprises. Madame tok 17 ans de maîtresse, de mon nommé Calista, comment elle pense? Elle pense bien, elle écrit très bien, je la félicite. Parce que imagine, première saison, Madame Nan, en fait, Taï, ce que je vois dans Maîtresse, c'est quoi? C'est une société Nimou Bindo. Parce que Taï, quand on Marem, avec Djalika, nous beaucoup papa, mais deux coups. Mais Linan, Taï, c'est une société, Olof Nan, derrière des règnes. C'était les deux meilleurs amis du monde. Du fait que Marem a été ma maîtresse et Djalika, c'est une personne qui est carrée. Voilà, mais gis ngay mom it yalla nat ko motax il faut pas juger l'autre mom tak souf mom tak souf ça devenir maîtresse d'un homme marié sans le vouloir dis-moi tay deg nañu surtout ci saison 1 bi diñu amna paré tout Jambra vous a beaucoup attaqué, nous a attaqué en tant qu'acteur, c'est en tant que Maroti a fait beaucoup d'attaques. Alors toi, quel a été instant yoyo sans bien sûr parler de Jambra etc, mais quand même il y a eu tu as été affecté parce que c'est ta co-actrice, c'est ta série. Comment tu as vécu ça effectivement? Bon, tu sais, moi je prends les choses positivement parce que même tous les écrits ont été critiqués, que ce soit littérature, que ce soit cinéma, que ce soit production audiovisuelle, le plus nul d'affaires critique à Mnati. Donc tu penses que Diamant, ils ont eu raison de le faire? Non, ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Ils ont leur raison de critiquer. Les gens qui veulent critiquer, il faut que tu le fasses. Parce que tu peux faire tout ce que tu fais. C'est nous. Il y a des gens qui ont fait. Et pourtant, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de dons. Alors, tu ne peux pas le faire. Mais les critiques, tu le prends positivement. Dieu me regarde ce bob, améliorer. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, tay, on nous a critiqué, mais je pense que nous, tay, nous avons fait ce que nous avons. Nous avons apprécié, nous avons fait qu'on a critiqué, nous avons critiqué, nous avons vu ce qui est bon.
Donc tu penses que ce critique c'est des critiques des trucs positifs non moi je pense pas l'humour affecte Tibir Seribi non je pense que Calista a su sa logique non si ou alors expression interne donc utilisée avec humain non tu mais pas du tout la saison 2 ça a changé non pas du tout non gisou sentirouma ci ben changement li ñu wara wax dañ koy wax li ñu wara parce que aussi tay ji bo dem hôpital bu ñu nga am plaie bu le médecin bi di fac il faut que mu xoss gom bi donc tay boy fac do ray deug kenn ko ray deug ku ko ñëmé kenn du ko ray C'est vrai, tu as parfaitement raison, tu as bien répondu. Comme nous le savons, on a fait une vidéo. On voulait communiquer pour les fans et spectateurs de Sky TV avec les fans de Maîtresse d'Anne Marie et de Cheikh Tiagne, n'est-ce pas, dans l'interview. Mais il y a une question, il y a des fans de Fall comment tu as intégré la série Frontières? Comment tu as la série Frontières? Je reviens toujours à cette fameuse phrase. C'est un casting. On m'a appelé pour un casting. Donc c'était au Centre culturel français. Et la réalisatrice était là-bas. Qui s'appelle Apolline Traoré. C'est elle qui a fait le film Frontières. Donc j'étais là-bas. Il y avait beaucoup d'acteurs. Hein? Comme d'habitude. Casting, on peut voter. Les gens t'appellent Cheikh, il y a un casting. En fait, moi je pense qu'il y a un ami qui m'a appelé et me dit Cheikh, il y a un casting d'un film qui s'appelle Frontières. C'est un long métrage. Donc il faut passer à telle heure, donc au Centre culturel français. J'étais là-bas. Et quand je suis venu, on m'a demandé d'interpréter le rôle d'un policier, donc des frontières, qui devait prendre, comment dirais-je, une information par rapport à une passagère. Donc moi. Amélie Mbaye, une excellente, franchement, comédienne, une actrice. Moi, franchement, je la respecte. Elle était où? Et c'est un truc de ouf, quoi. Donc, lola, bon, je me demande Apolline, Gisma. Bon, elle me dit, écoute, est-ce que tu es disponible? Je dis, ouais, ben, moi, je suis un acteur, je suis disponible. Tout dépend du moment où vous allez tourner. Donc, on a pris mon contact et tout. Après, bon, je suis resté, je pense, 2-3 mois après. Donc, la direction de la cinématographie, en l'occurrence, M. Delgado, donc, qui travaille là-bas, il m'a appelé, il m'a dit, Cheikh, écoute, ta candidature a été retenue pour le rôle donc, du policier de frontière. Donc, on doit tourner de telle date à telle date. Le film, il m'a participé pratiquement à casting. Damay tok ñu woma wala ko xam nit woma ay réseau là ay réseau là donc par exemple tay mënon nga am ki nako boy man dé comme maîtresse hein tant je suis libre voilà comme maîtresse c'est très important de préciser ça moi les acteurs un acteur doit être humble comme li nga def ni réseau bi dafa bax c'est à dire amna ko xamna dana non man duma wo kenn parce que moi je suis un acteur professionnel man may Ousseynou Ba construisez-vous un réseau c'est à dire amène une connexion avec ses morom acteurs, ses morom techniciens. Ouais. Ça m'arrive aussi personnellement, hein, je le dis en toute humilité, je demande qui, j'ai le mon téléphone, ou ben Bassirou Ndiaye ou qui est au production, avec mon écran temps et je suis libre. Parce que c'est ton boulot. Ouais, bien c'est sûr. Ton travail. Donc là, il y a là, ben sort là, ben rôle, tu appelles quelqu'un, comme temps et ça et temps et moi, je suis au chômage. Je suis off. Mais bien sûr. Parce que peut-être nous les chalat, mais de là non qui nos taille qui maroude le nec, ou là nous les chalat finalement qui nous idole. Alors que tu es libre. Non mais c'est tout à fait normal. Tu sais, Hamga, peut-être nous, dans notre métier, comme tu dis, hein, bon, c'est pas tout le monde, hein, peut-être certains, il faut de l'humilité. Parce que moi, je me dis, fille, qu'est-ce que tu es dans l'Aduna? À quoi de métier, c'est où tu fais? C'est où ça gagne? Tu vois, donc, et puis, cinéma, c'est quoi? Il n'y a pas que les acteurs. T'es peut-être nous faisons. Nous sommes au-devant. Donc, de l'écran. Mais ceux qui sont derrière sont plus nombreux que ceux qui sont devant. Exactement. Ben, une séquence de 2 personnes qui jouent. Ah, il y a 10 personnes qui sont autour. Il y a le réalisateur, donc le caméraman, le preneur de son, la costumière, maquilleuse ou bien le costumier, ça dépend. Et leurs assistants. Et les assistants qui sont là, le script, il y a tout le monde. Vous collaborez avec l'équipe technique. Ce collaborateur, comment tu regardes d'abord le premier de l'équipe technique, un réalisateur? C'est quoi pour toi? C'est qui pour toi? Moi, le réalisateur, c'est. Moi, je trouve que c'est le tailleur de la scène. Madame, je suis un tailleur qui a été fait pour le boum. Il a été fait pour le boum. C'est le réalisateur. Parce que le boum, je suis un boum. Si je suis un boum, je suis un boum. C'est parce que je suis un boum. Je suis un boum.
man mako sol lañu xam donc c'est ça le réalisateur parce que c'est lui donc qui lit par exemple tay buñ ko joxé scénario bi moko ñëk lire man avant may wax sama texte mom dina ma cheikh bon supposons séquence bi ñu ta dafa wara xam nga dund ak mariam ben séquence bo xam dañu wara bëggante mom mokay réaliser monama cheikh il faut nga défé ni ak ni ak ni pour que mo am lima soxla ñu senti né yeen ñaan ni li ngeen di jouer donc amna connexion entre cheikh et mariam donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup suma ñëwé ci scène bi voilà suma ñëwé xamné dama wara jouer limay ñëk def j'approche le réal waaw maniko qu'est-ce que je dois faire comment tu conçois la scène monama OK je t'explique ni ak ni ak ni nga wara défé manoko est-ce que do baye ma défé ko ni ak ni monama propose moi je l'ai fait avec Moussa Sène Absa mom dana non cheikh vas-y fais comme tu sens je fais un coucou à un papa franchement je l'admire beaucoup parce que il connaît le cinéma quoi donc dana vas-y donne-moi et je l'ai fait avec Khalifa dans la deuxième saison de Maîtresse de nos maris mon première saison man ak baye dañ don rak dana non cheikh damay def ñeu nako jouwumako non ni la koy jouer mais au finish damay déconner mais je vais lui donner ce qu'il veut quoi tu vois après je lui propose mais je sais que dit bon j'ai pas eu franchement Moussouma am ben différent ak ben réalisateur non pas du tout et Moussa aussi c'est le réalisateur il est bon. De Adia un très bon réalisateur voilà. Il est jeune, jeune compétent machallah et puis patient compétent. Patient parce que xam nga soy tourné bon sama boy là c'est tout nek sa grand mom expérience affaire yi lélé dalay bëgg wone la non boy xolal gënom xam limay def mën na ko quoi tu vois mais ak lu mën opi acteur yu bari aussi dañuy def erreur bobu parce que da nga nan man il faut pas être suffisant j'ai eu l'expérience avec Danser la vie on avait un comment dirais-je directeur artistique qui s'appelle c'est un Camerounais d'origine française. En fait, c'est un Français d'origine camerounaise. Donc, mon, il s'appelle Émile Abosolombo. C'est un grand acteur qui a joué dans Ezra. Okay. Moi, la guerre en Sierra Leone. Okay. La guerre des enfants, là, okay. Non, en Sierra Leone. Donc, mon, il y a un acteur bu nul amul, acteur bu mak amul. Tous les acteurs sont bons. Ça dépend des rôles qu'on leur donne. Et il faut savoir incarner le rôle. C'est tout juste ça. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de grand rôle. Bah oui. Ils ne prennent pas de risque. Par exemple, qui Cheikh Diagne, si on est venu, on les Kalissas. Kalissas, on a eu le débat. Mais non, Kalissas, est-ce que tu as eu le film? Non, je ne l'ai pas eu. Tu vois, si on est venu, je vais te faire un peu. Tu vas te faire un peu. Parce que maintenant, je sais que je vais te faire un peu. Je sais que je vais te faire un peu. Faut te dire quoi? Parce que c'est des caprices. C'est des caprices. Tu vois, il y a des acteurs qui sont très capricieux. Après, quand tu es trop capricieux aussi, donc pour ne pas biaiser ou bien tarder la production, les gens, la scénariste peut t'éliminer à tout temps. Gars, ils vont créer une voyage. Voyager. D'autres, monseigneur. Et c'est arrivé, hein? C'est bah arrivé oui. À plein de personnes. Ah oui. Ça veut dire, en grosso modo, il faut toujours respecter le rôle. Le rôle, c'est ça. Ceux qui sont derrière. Ouais. Parce que c'est eux qui créent, c'est eux qui décident. Fini de décider pour Ray Ben acteur, donc on fait qu'il y a une fille qui a tourné, mais quand il a joué, il a joué. Non, non, non. Nous avons Ray Ben. Nous avons un épisode qui dit, il y a une sorte. Voyager là. Fait qu'il y a une fille. Donc voilà, comme meilleure année, humilité, c'est important. C'est acteur. Alors, quelle est la meilleure anecdote que vous tournez en tant qu'acteur? Peut-être avec les caméramans. Je me rappelle dans C'est la vie, je suis venu tourner. Les scènes avec, comment il s'appelle encore, le caméraman de Alopec, les réalisateurs, le Sam. Néna mom suñu gissé ci feuille de service bi da fay content. C'est le caméraman qui me dit ça. Actuellement il a réalisé la troisième saison. Il s'appelle Nas. Nas, OK. Donc Mouni suñu gissé ci feuille de service day content. Pourquoi? Parce que day xamné en fait parce que ñun quand tu as l'habitude de la cam, day buñuy tourner. Xam nañ position bi caméra bi né. Xam nañ naka lañuy taxawé. Donc mom néna su gissé par exemple bu xey feuille de service giss tuli gis magar gis corsa wala bu gis emadé c'est quand c'est des gars par exemple xam nga lay mel un bon acteur bu am expérience ni lay def bu amé champ contre champ man ak yow ñuy waxtan champ contre champ mais même lumière on même lumière dañuy xam dañuy sourale lumière acteur bi day automatiquement c'est comme xam nga football acteur manam tay Messi amna fuy taxaw day xam né bal bi forcément fi lay jogé automatiquement day mëne def reprise demi volée wala l'acteur aussi
si je suis venu à toi, nous discutons sur une séquence A2, moi, si je suis venu, si tu es venu, tu sais que si tu fais un pas, automatiquement, tu vas le champ. Bien sûr. Les acteurs sont venus pour chier. Voilà, c'est un réflexe. Les acteurs ont un réflexe. Le caméraman me met ici, ça va faire. Je ne sais pas si je suis un homme. Tu es découragé. Tu filmes les gens. Tu sais que les filles, parce que tu as anticipé, parce que tu as une expérience. Tu sais qui est. Non, normalement, tu as fait le sujet. Il y a des caméramans qui tournent en même temps des chalats de montage. Bande de montage, c'est comme ça. Parce que ni. Qui est le Golden. Il y a un mode de face activé. C'est ce qui est le Golden. Vous n'êtes que réalisateur, n'êtes que réaliser une partie de Golden. Mon Bélénio, il peut te faire 15 séquences la journée parce que mon tournage, montage, l'élève. Et c'est une bonne astuce, hein. C'est une bonne astuce. Tournage, montage, moi, mon de l'année, bonjour, cher Diagne. Moi, il se dit, on prend ça en gros plan. Cette partie de la phrase, gros plan, les donne. Alors, bonnet, bonjour, cher Diagne, il dit coupé. Parce que lui, vous prenez. Amna. Après, bien, Bismillah, Kaitok, Kalinitok, Mohamed, Kalinitok, Bobo, large le ressort dans sa tête. Il te dit qu'il faut que tu te lâches. Il faut que tu te lâches. Il faut que tu te lâches. Il faut que tu. Mais ça, ça épuise. Non, en fait, non, non, ça va très vite. Ah ouais? Il y a un risque. Le risque, c'est que pour rater, il n'y a qu'un coup. Il faut que tu te lâches sur le plan. Mais c'est hyper efficace. Parce que ça te permet de faire 15 séquences la journée. Il faut ramener une qui doit être 6 séquences, 7 séquences. Moi, je me dis parfois dans ma journée, si je fais 7 séquences de réal, je suis bon. Je suis à l'aise, cette séquence. Mais lui, il peut te faire 15, mais c'est bon. C'est bon, hein? Parce qu'il y a la lumière, il y a le son, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est risqué juste parce que peut-être Ben et Mokoyel paraissent. Donc c'est bon, c'est rapide, mais il y a un risque. Mais si tu maîtrises le risque, tu vas très vite. Mais attention, c'est pas évident de le faire, mais bravo à cher à Tiandoum qui est excellent. Instant Remix, c'est bien un projet start d'ailleurs. Bon, on veut pas faire du spoil, du vulgaire, mais il est hyper bon. Et en écriture et en réalisation. Et il sauve beaucoup de situations. Oui. Donc, dis-moi, en tant qu'acteur aujourd'hui, nous avons l'habitude de le faire. Moi, 5 actions, yo khamni, nit ki acteur bi bu ko défé, 5 habitudes, yo khamni bu ko défé, il peut réussir sa carrière. Pour avoir une bonne carrière, moi, je dis qu'il faut, rester professionnel. Professionnel. Professionnel dans le sens où. Ce que tu fais, tu le maîtriser, après tu le fais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir sous les lauriers. Ça veut dire que Cheikh Diagne Tay, c'est un acteur professionnel. Il faut travailler le gestuel, donc la voix, le corps. Attends, tu vois comment le footballeur là, il s'entraîne. Toujours. Mais l'acteur doit s'entraîner. Ah oui, l'acteur doit s'entraîner. Être devant la glace du rôle gestuel, par exemple, Taï, si je suis un rôle bandit, je suis un rôle incarné. Si je suis un rôle qui c'est une loque humaine, Madame Taï, je suis un rôle incarné. Attends, il travaille. La voix, on travaille ça. Une voix rauque, ou une voix aiguë, ou une voix basse. Mais tout ça, ça se travaille. Le gestuel. Exact. Ah oui, il faut être professionnel, ça veut dire que travailler. Dur et matin, midi, soir. Avoir aussi une hygiène de vie. Numéro 2, hygiène de vie. Hygiène de vie. Troisième chose. Qu'est-ce que tu veux dire par hygiène de vie? Hygiène de vie, ben, ça englobe tout. Hein. Mais toute personne, même sans un acteur, doit avoir une hygiène de vie. Le footballeur, ça va ce que tu fais, ça va ce que tu manges. Tu vois. Il faut garder la ligne, tu vois, être en bonne posture bi, parce que relinguer incarné là. On peut te dire Cheikh Diagne vraiment ligne. Tu vois. Par exemple, maîtresse, peut-être c'est moins grave parce qu'on a besoin de monsieur, donc un chef d'entreprise, ben kilifa peut-être. Posture bi ni day bax mais supposons amna fenen fo nga xamanteni ni le profil de Cheikh Diagne ne va pas correspondre lo ta tay nga dem ci ben casting ne ñu soxla policier am bir bi du la ñu la jël ci
duñ la jël tay bu fekké da nga bëgg def carrière il faut aussi ngay bayyi lool il faut ngay am bayyi sa xel ci loolu avoir une hygiène de vie c'est à dire que di nelaw topoto sa bop di def sport ay di éviter les stup parce que tam amna yo xamné boko jëfëndiko aussi tu peux pas les excitants voilà et puis nous sommes des exemples nous sommes des porteurs de voix nous sommes des modèles amna lo xamanteni ni aussi la société ne va pas nous le pardonner. Ça bousille une carrière. Ça bousille une carrière. Oui. Parce que mon nek acteur ba paré, ni lay di cheikh ni. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Muy Mohamed Ndaw Taïza. Moi je suis Saloum Saloum et je suis fier de l'être. Je suis né à Kaolack. Mohamed Ndaw Taïza, je l'aime bien. Parce que li muy def daf ko gëm. Bëgg ko ba paré jox akam. Non, do dugg ci affaireu ñak fay de def ay ki non nangam ak non dedet mi ngi gérer li mo wara gérer en tout cas alhamdullah ma sha Allah laf chat mi ngi def li mo wara def te foko gis bekk motax valeur te jox ma mu to wacc ça dit que le, en fait c'est ça ça dit que hygiène de vie bobu moy tax aujourd'hui que nga meuna yaay deg garder sa valeur ma paré voilà ma paré nak ba paré nak humble. Ce que je veux dire, humilité. Toute personne doit être humble. L'humilité, ça, c'est une force unie pour une personne. Comment c'est quoi parce l'humilité? Que l'humilité, ça veut dire qu'aujourd'hui, Taï, Cheikh Diagne, c'est un acteur. Si, Mashallah, il y a des gens qui sont Cheikh Diagne, il faut que tu sois en train de se mais tu es c'est le public qui fait ta raison d'être. Tu peux être en train de se faire, les gens qui sont en train de se faire. Ou tu as un comportement vis-à-vis des personnes. Tu vois, donc, la simplicité. Bagn amé bac nek université lañuy and ba tuñ jonne ala tay man samay xadu dem ñoo ma gënal samay xadu du tay dé c'est ça pa lolay dund et respecter ma mes parents mon père ma mère ma famille je suis ni ma mêle quelque part ci maîtresse non la mêle dans la vraie vie moi je suis fils à maman tu crois beaucoup à maman la sama yaay c'est ma confidente c'est mon ami c'est ma xarit té tay bo demone la ko man ni ma mel ak mère diagne film ni sama yaay ni ma mel bu wax damay seug parce que en fait nonou lañ ma yaré wadiou je suis pas quelqu'un de je suis très féministe ni ma xam nañ ko dama nan wax man j'ai pas d'amis j'ai des amis avec eux alors don nañ wax sank walu xam walu instruction madame français c'est extrêmement important parce qu'en fait tay le cinéma sénégalais veut s'exporter. C'est une condition actuellement sine qua non que les acteurs soient des acteurs, soient instruits. Je n'ai rien contre, parce que Koutinek aussi, il y a des gens qui ont la chance d'aller à l'école, d'autres non. Ce n'est pas la faute de personne. Donc peut-être Koutinek a sa chance, là, Aduna. Mais il y a un cinéma, il faut que les gens aient. Donc là, est-ce que Ragolone peut-être à l'avenir quand les Django français sera difficile d'avoir un rôle? Ah, néuma do am rôle de waye peut-être rôle ba ngay bëgg am do xam. Instant yi ni comment tu trouves série yu bari là où le foisonnement des séries sénégalaises? Moi je trouve que aujourd'hui Sénégal il y a des têtes. Les gens veulent faire. Les gens créent. L'audiovisuel sénégalais est en pleine expansion, si on peut dire. C'est vrai, il y a beaucoup de séries TV1. Doumani Bimo Bach, Bimo Gun, Bimo Meyer, Bimo Euro. Mais quand même, il faut du contenu. Il faut du contenu. Parce qu'on veut éduquer notre société, on veut faire l'éveil des consciences. Donc, l'INIDEF aussi, on a un sens. On a un sens. Création hybride, qui hybride, mais là, il faut qu'on choisisse aussi d'être des pros, il faut qu'on choisisse aussi du meilleur. Parce que si nous voulons développer le cinéma, il faut que nous puissions au moins nous puissions faire des choses. C'est extrêmement important. Le contenu. Le contenu. Est-ce que vous êtes un acteur ou actrice? Non. Côté de moi, je vais vous dire parce que tay Sénégal, ku jog rek ne dama bëgg nek acteur est ce ko nek mëna nek magistrat te jango te jaro ena ku nek mëna nek avocat dedet c'est un métier il faut apprendre ce métier gis na
ndongo lumu jangul duko tari lo doonul talibem do doon serigne tay da ngay tay senegal ñepp bëgg nek acteur Ousmane c'est à dire que Ousseynou du moins tay luma metti la ça te plaît pas non pas et pourtant on voit notre métier aussi c'est quelque chose de noble c'est pas du bluff hein tay tu vois un Cheikh Diagne jouer tu sais que ce gars là c'est un professionnel man limay def dama ko jang meun ko xam ko maîtriser ko ta ba légui damay jang j'ai pas dit que je suis un bon acteur hein. Après bon acteur c'est relatif les goûts et les couleurs ça ne se discute pas bon c'est relatif hein. Tu peux être bon ici tu peux être mauvais là bon tay meun nga dox fi so do dox mais damay jang ba légui té gaay duñ ko jang affaire bi du tar dedet affaire bi du tar affaire bi du posture dedet affaire bi dañ koy jang xam ko meun ko tout à fait comment tu trouves aujourd'hui tu vois tay ben jigen ñeu jël ko testé ko on voit que elle a de la matière ñu jël ko def ko actrice principale qu'est-ce que tu vas lui dire non tu demandes nga jangi bla nga accepter rôle bi ou tu as accepté le rôle comment tu vas faire pas du tout xam nga tay qu'est-ce que tu lui conseilles lima nan affaire yi fo nga jang ko meun ko xam ko tu sais par exemple Lala elle n'est pas actrice c'est pas son domaine mais elle a incarné le rôle à merveille parce que elle a été naturelle nit ku nek nak am nga talent parce que j'ai appris Flaubert disait que en chacun de nous dort un talent il faut savoir le réveiller chance là mais da ngay nek ku nek mais nit ki aussi lo jangul pour man pour nga maîtriser ko xam ko meun ko day jafé dina am toujours lu manquer dina am lu manquer tay nak ñepp gi bëgg dugg ci métier bi mais limay conseiller nit ñi nan dem jangi lu am solo la même si tu as le rôle tu commences voilà. À incarner mais jangal geussul bo xamo fu ñu geussul voilà ko la mëna coacher voilà. Et manan sétane ay vidéo di lire ay livre di ñi may sétane ñi may sétane duñ ma baye ma fenn marem lalla am sa laaj len ñom ñep ku ma ci tourner nga na ma est ce que mën nga tourner ce rôle te baye dama leni coacher am sa buñ sété ba sét ñun dañuy togn amuñu len luñ def ci xewu jambour té ñu tok ben yoon yo xewu tabu goor warul wet lolou baxul sax ci xale bi ci bir tournage bi damay coacher nako am sa est ce que boko waxe won ni damay dugg ci rôle mom diko ni nga koy defé dañuy ré duñ ma baye ma fenn si je dis pas vrai mën nañ ko démentir marem la même chose manako non marem ni la bëgg nga waxé mako defel ni mim no lay gëna daxé tu vois mi c'est un plaisir ça dit que joxé ni ma koy joxé parce que tay quand tu joues avec quelqu'un bu nga xamanteni ni maîtriser wolumi def wala mënul do am répondant toi tu donnes pas le meilleur de toi lolu moy différence acteur amna ben affaire bu ma xaw metti tamit bo xamné ay acteur yu bari dañu koy def surtout chez les actrices soumay jouer ak yow bula parce que ben caméra la ñi tourné bula caméra bi di jël yow man ma nek ce rêve bi waaw damay bayé ko bayé la yow nga jouer c'est pas caméra bi di jël man nak mo jouer ça t'est arrivé mais bien sûr man dama koy dégg non dama koy casse sama nan so jouer wul ak day fenc sama jeu parce que avec ben caméra c'est très difficile c'est fait que nos deux caméras nga xamanteni dañuy def champ contre champ là tu es obligé de jouer parce que yow lèr na la caméra mi ngi jakal OK ah tu es obligé mais donc quand on joue ça dit que c'est ça nak liñuy wax un acteur professionnel parce que tay le professionnalisme moy lolu parce que tay bu fekké né yow dama wara jouer ak yow bien que caméra ba nekul ci yow yow ya wara tout mais dama la wara jox ça dit que lolu moy il faut de la générosité dans l'acting générosité bobu non acteur bi dila jox moy tax yow nga meune doyene le meilleur de toi même ça c'est extrêmement mom la man ci lolou yeb lay dexeñ professionnalisme parce que quand tu es professionnel tay tank paré wo li ngay def yaay dégg yaangi ci bir la concentration ñu woné xamné kat man li moma indi li dama ko wara def après paré dem ci lène est-ce que Cheikh Diagne peut être un jour réel bah oui il le veut après bon parce que je bien sûr que si ouais, bah oui après amna fo xamne mo tolo mom damay réaliser quoi wow. Parce que yo en tant qu'acteur da ngay am vision da ngay am gis ci yu bari ouais mais c'est arrivé hein parce ouais, que bien sûr ñu bari aujourd'hui nek nañ ay réalisateur tay acteur lañu Stallone Sylvester Stallone mais bien sûr mais réaliser Expendables qui comment s'appelle ça acteur art martiaux
Jackie Chan. Jackie Chan. Sama copain, xam nga mom ay film mom. Day now. Attends, c'est des phases yo xamanteni ni, c'est réel hein. C'est réel. Ah oui, moi j'ai suivi ces trucs mais c'est des phases yo xam de quoi réaliser mom. Un jour. Okay, Inch'Allah. Mais j'ai envie de faire une longue carrière quand même en tant qu'acteur. Je vise très loin. Ouais, j'adore. Est-ce que toi, tu es aujourd'hui, tu as fini ton auditoire, Cheikh Diagne, il est ouvert à d'autres propositions ou voilà, Dekhar, saison 3, peut-être maîtresse de la mariée. Tu sais, je suis un baykat. Baykat, la période où nous sommes, nous sommes dans le toit. Nous sommes dans le jouet. Moi, je ne suis pas marié à une maison de production. Je suis un acteur freelance et je suis open. Si je suis en contrat, je me concentre sur ce que je fais. Je ne signe jamais deux contrats à la fois. Ok. Tournage Sénégal, c'est des emplois du temps très serrés. Parfois, on te convoque à 15h, tu peux tourner à 20h. Mais ça dépend des productions. À 8h, tu tournes à midi. Je dis en général. Oui, oui, oui. Toi, est-ce que tu as l'habitude des grands plateaux de cinéma? Est-ce que tu penses que ça devrait changer ou bien, bon... Les contraintes ne sont pas les mêmes et ça s'excuse, hein, même personnellement. Ouais. Mais toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? Tu penses que c'est normal ou... Moi, je pense que, tout comme je connais le cinéma, une production, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Et le gain de temps, c'est une économie d'argent. Parce que tu ne peux pas convoquer un acteur à 15h et qu'il commence à tourner à 19h. Déjà, l'acteur n'est même plus productif. Parce que être sur un plateau de tournage, ça use l'acteur. Ça épuise, c'est épuisant. Très épuisant. C'est très épuisant pour un acteur d'être sur un plateau de tournage. Une fille sénégalaise, nous convoquons les enfants toute une journée. Mais dans les grands plateaux de tournage, mais un enfant, tu toques 2 heures de temps. 2 heures de temps maximum, là, tu tournages. C'est parce que l'enfant, c'est la loi. L'enfant ne peut pas, n'a pas la même capacité de concentration qu'un adulte. Nous on s'épuise pour rien. C'est une vidéo aux États-Unis par exemple, ils ont l'astuce de prendre des jumeaux ou des jumelles. Ils ont des jumeaux parce qu'ils ne de tourner plus de 2 heures. Non, mais ça c'est la loi. Ils ont des jumeaux, ils sont identiques. Quand ils sortent là, il y a qui a joué 2 heures, qui a joué 2 heures. Ouais. Mais bien sûr. Ouais. Mais le monde normal, ça veut dire que le monde est au moins sur une production. Parce qu'il arrivera un moment où, par exemple, aujourd'hui, au Sénégal, les gars, ils veulent faire cinéma avec l'industrie. Et je les encourage. C'est une bonne chose. Ça permet aux acteurs de vivre de leur art. Donc, si vous avez la Cheikh Diagne, 8h, 15h, Cheikh Diagne a une production vie. 15h, c'est 17h, vous avez une fumée. 8h, 15h, si je vous convoque, je vais tourner. Mais tu me payes ma journée, je suis sur un autre plateau. Donc, tu crois que c'est un niveau? Ah, mais il le faut. Il faut tay buñ bëggé ci cinéma bi Sénégal nek industrie buñ bëggé yegg fofu non il faut dès qu'on respecte le temps. Okay. Les américains mom the time is money, le temps c'est de l'argent. Donc tay production bu ci nek xamna né tay une journée de tournage ça demande des moyens. Donc tay bu féké né da ngay fay acteur bi par heure ou bien par séquence tay par exemple boko soxla 8h midi yaay dé sama contrat luma ci nek 8h midi suma tournéwul da ngay fay suma tourné da ngay fay. Mais il faut dire aussi que parfois tournage, il faut être honnête de le dire, hein, humble de le dire. Moi, ce sont les acteurs qui retardent beaucoup les productions. Un acteur qu'on convoque à 8h, il arrive à midi. Ça c'est la production. Moi, je sais de quoi je parle. Non, ça c'est la production. Ça c'est la production. Parce que Lola et Laïwane, par exemple, on revient à mon premier point. Professionnalisme. Le professionnalisme. Man personnellement, je ne sais pas qui est. Mais quand tu me convoques à 8h, moi, je suis sur le plateau. Man, je ne suis jamais en retard sur un plateau de tournage. Aujourd'hui, par exemple, un plateau comme Kiwu Production, attends, pick-up, 5h30, la nuit, il faut que ça me boule de Yeltsima. 7h, tout le monde paye à tête. C'est-à-dire qu'on doit faire 6 séquences par jour. Avant 18h, tout est fini. Parce que, c'est-à-dire que il faut que la production soit organisée et que les décors soient validés. Parce que tournage, il faut que l'épée est huilée. Les décors soient validés, les costumes et tout. Tout le monde est averti à l'heure près. Taïboun, il est 7h de nuit commencé. 7h, nyop. C'est-à-dire que les techniciens, ils sont 2h à l'avance. Acteurs, 1h en avance. Voilà, 30 minutes en avance. Ni pour parler, 7h, tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, le plateau de C'est la vie, par exemple. Je donne cet exemple.
parce que j'ai eu l'expérience. C'est Kéou qui a fait ça. Kéou qui a fait ça. Bu ñu né 8h payaté 8h ñëpp dañuy taxaw. Caméra yi paré nañ ñëpp tax. Nek ñëpp nek nañ solo nañ maquillé wu nañ taxaw na. Manam Cheikh Touli dafa ra tourner 8h il est là. Amul ma dem te ñëw. Moi j'habite Mbaw, j'habite loin, on tournait à Yoff. Ay pick-up 6h du matin. Ah non, 5 pick-up nañ ma 5h30 dañu waron tourner ji Dougar je pense. 5h30. On est sur place. Non. Ça dit que le régisseur est un nalaw. Attends, tu es payé pour bosser. Aujourd'hui, tu es par exemple 8. En fait, c'est ce que tes productions sont là. Nous n'avons pas faille. Parce que ça, c'est la production. Parce que tu sais que demain, j'ai un temps qui est là. Et je vais faire une chalice. Donc, tu dois le respecter. Parce que ça, c'est la production. Hein. Ça dit que si tu fais qu'il y a, par exemple, t'ai, tu signes un contrat, on te dit que. C'est une 8h la nuit commencer. Mais vous faites qu'un acteur blanc est bailé là-dessus de me dire c'est pas bon. Mais vous faites qu'une 6h du matin, on a fait où c'est nous. Le joke. Ah non. T'es devant un petit joke. Bouc. Pick up. Ça dit que tu mets les moyens. Ça dit que aussi il faut mettre les moyens. Que les productions mettent les moyens pour que les acteurs aient des bonnes sur la 5h30 parce que contrat là. Grand nous d'aller tourner film. C'est ça. Parce que tu as par exemple l'employé de banque. À la banque, les emplois sont là-bas à 7h30. Il faut me dire que 7h30 dans l'effectif banque. Yeah. Ah non. Et si tu ne peux pas, tu nous dis tout de suite. Tu es payé. Banque, tu es bordé, mais 7h30, tout le monde est sur place. Ouais. Tout le monde est sur place. Et surtout, ça nous ramène à la disponibilité. Être disponible. Ouais, mais ça quand... être fiable. Bah, bien sûr. Qu'on puisse compter sur toi. On a des acteurs, on a des actrices, on a des acteurs, on a des carrières, tout de suite. Moi, je suis une production, on est là-bas. On va avertir en semaine prochaine, je voyage. Je vais avertir en semaine prochaine, je vais me faire une tournée, 3 jours la fête de miel. Alors que peut-être que vous en aviez, ce qui arrive aussi, moi, c'est que les producteurs doivent faire en sorte qu'ils signent l'offre, ils ne sont pas disponibles. Problème de disponibilité. Moi, c'est que si vous avez besoin de signer l'offre, alors que tu es sûr que vous soyez dans un mois, vous avez un problème avec ça. Parce que vous êtes acteur. Parce que moi, par exemple, ku nek day ñëw né acteur la bëgg doon té xamoo plateau de cinéma nak lay fonctionner, xamoo production nak lay fonctionner. Cheikh Diagne, tu as un mot de la fin? Ben en tout cas moi merci. Mon mot de la fin c'est que je souhaite que le cinéma sénégalais aujourd'hui devienne une industrie pour que les acteurs, les actrices, en tout cas tous les corps de métier qui englobent le cinéma puissent y trouver leur compte. Allez, merci beaucoup à tout le monde. Ciao.